Ce serait bien aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo de la Glossybox. Donc, je l'ai déjà ouverte. La Glossybox, je pensais que c'était cassé parce que. Voilà. Je me suis dit, soit il y a un truc qui est cassé ou soit c'est pas le même emballage. Donc, voilà. Nous sommes le 9 décembre, donc je suis plutôt contente. Pour une fois, la Glossybox est arrivée assez vite. Donc, au top. Content. Donc voilà, tout ce que vous voulez, je suis au taquet, au top. Donc finalement, l'emballage n'est pas le même que d'habitude. Donc ce n'est pas un emballage en carton. C'est un emballage en... Donc en fait, c'est une boîte en fer, tout simplement. Bon, elle a juste pris un petit peu cher... Là, il est bien plat. Et en fait, il a juste pris un petit peu cher ici, au niveau de... Au niveau du transport, donc c'est pas ouf, hein. J'aurais bien aimé avoir une boîte bien, mais bon, c'est pas grave, il y a juste là où c'est comme ça. Cette boîte-là, je vais la garder parce que les boîtes comme ça, c'est quand même mieux de garder ces boîtes-là que ces boîtes-là. Attends, j'en ai mis une. J'en ai partout les boîtes, là, je vais vous montrer une boîte. Ah, j'en ai une là. J'en ai une juste ici, c'est mieux que ces boîtes-là, vous voyez, ces boîtes-là. Franchement, ça serait bien qu'ils nous mettent des boîtes comme ça au lieu des boîtes comme ça. Parce que là, certes, on peut les recycler, les mettre au carton. Et encore, moi, je préfère vous mettez ça dans un truc de vente, de don. Ces boîtes-là, ça part bien. Donc, voilà. Ensuite, on a toujours de la petite pub. Donc, on a la petite publicité pour ceci, pour le site de vêtements, là. C'est valable jusque 28/02/2022. Moi, je n'achèterai pas parce que du coup, je trouve ça cher. Après, c'est Nike, Levi's et tout ça. Donc, si c'est pour des affaires de marque, donc moi. 13%. Ensuite, on a une offre sur le My Musli. Donc, vous savez que j'ai déjà testé, je vous avais déjà montré. Et je n'aime pas du tout les My Musli du coup. Parce que j'ai déjà testé. Et j'ai pas aimé. Donc, là, c'est offre au lieu de 10,90€. Édition limitée Glossy More Night. Moonlight, donc c'est dès 10 euros d'achat. En gros, tu as celui-ci qui est gratuit. Voilà, moi ça m'intéresse pas, mais il me suit. Donc voilà. Et aussi, on a ceci, donc le truc de chien là, Tidecomb. Voilà, un mois offert. Ça, je vais le donner à un ami à moi parce que je lui ai dit, il y a des trucs de croquettes comme ça qui peuvent être intéressants. Donc là, c'est un mois offert, une offre. Livraison 2 euros. Donc voilà, donc ça, ce qui est bien chez eux, c'est qu'en fait, tu as vraiment l'offre d'un mois, donc les croquettes pour un mois. Et par contre, t'as pas besoin d'acheter des trucs parce que là, en les petites lignes, tu as juste en fait à payer la livraison. C'est tout ce que tu as payé. Donc, ça, franchement, quand on a des petites codes promo comme ça, franchement, c'est top. T'as pas besoin de dépenser de l'argent. C'est juste pour essayer en fait. Et voilà. Votre box d'essai à offert, rendez-vous sur le site internet pour en profiter. Donc ça, je sais que je vais le filer à un ami, parce que je lui en ai parlé. Il m'a dit, ah oui, pourquoi pas, pour avoir des croquettes offertes, parce que c'est quand même pas donné les croquettes de chien. Voilà. Donc la box, donc la boîte est comme ceci. Je suis désolée, vous allez voir mon reflet. Le reflet, je vais essayer de mettre un peu plus loin, parce que du coup, proche, on voit le reflet. Donc voilà, plutôt sympa. J'aime bien. La boîte, elle s'ouvre comme ceci. Alors du coup, je vais essayer de... Voilà, là vous voyez bien. Donc ça en fait, ça forme une lune avec des étoiles. Donc on dirait des pompons, des... Pas des pompons, mais des flocons tout autour. Franchement, je l'aime beaucoup. Je vais la garder parce que ça, franchement, je trouve ça juste au top. Alors je l'ai déjà ouvert dans le trajet. C'est catastrophique. Tout était bien fermé, hein. Le petit fil était encore bien mis et tout. Mais par contre, c'est ce papier-là que j'ai dû remettre parce que c'était une cata. Ça tenait rien du tout, rien n'était tenu ni rien. Donc je pense qu'il a pris un petit peu cher dans l'envoi. Voilà. Je pense que ça a pris un peu cher parce que du coup, l'état du truc laisse tomber. Donc voilà, c'est la première fois que du coup j'ai une box aussi en mauvais état. Donc là, je vous l'ai quand même remise. Que ça soit bien pour vous, mais voilà. Box quand même qui était en mauvais état. Donc je vais vous montrer tous les produits, les prix, etc. Je vais vous dire si j'aime le produit ou pas et ce que je garde et ce que je ne garde pas. Je vais y arriver.
Donc on va commencer par ce produit là. Et ça part ce produit là. Elemis, donc ce produit-ci, cette marque-ci plutôt. Je connais déjà. Donc c'est une crème hydratante Superfood Gold. Voilà, je vais pas vous donner le. Enfin, je vais juste. Donc c'est un Deluxe 16 de 20 ml. Donc ça vaut 19 euros quand même. Les 20 ml, je suppose, vaut 19 euros. Donc voilà, crème hydratante, pourquoi pas. En plus, il y a 20 ml. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien quand c'est des petits formats comme ça au niveau des crèmes hydratantes. Parce que tu peux vite passer à autre chose et tu peux vite prendre une autre crème hydratante. Donc ça, franchement, je suis super contente. En plus, il y a un opercule. Donc ça, c'est sûr et certain que je vais l'utiliser, ce produit-là. Franchement, c'était bien. Et si mes souvenirs sont bons, cette marque-ci était vraiment pas mal. Donc voilà, c'est au prix de 19 euros. On va terminer par ça en dernier. Ensuite, on a ceci, donc, qui est de la marque Eyeco. Donc c'est un... Alors, attendez, parce que du coup, ça, c'est le produit qui m'a choqué, c'est un highlighter. Un highlighter pour sourcils. Donc c'est un full size, ça vaut 17 euros quand même. Donc normalement c'est comme ceci. Donc je vais vous montrer comment il est. Je ne vais pas vous faire de swatch ni rien parce que franchement. Aïe, c'était mon pied, pardon pour le bruit. Franchement, je vais pas faire de swatch ni rien parce que ça. Comme si on avait le foot de l'highlighter sur nos sourcils. Franchement. Donc ça, non, je vais pas l'utiliser et. Je sais que je vais jamais m'en servir, donc autant que ça, ça va être directement sur Vinted, ça va aller directement sur Vinted à un prix raisonnable. Donc voilà, ça, non, et j'espère pas en avoir dans d'autres box parce que ça, franchement, pour moi personnellement, ça va pas me servir du tout. Donc c'est complètement bête. Ensuite, ceci de la marque Cathy. Donc ça, on n'en avait jamais eu de cette marque-ci, mais j'avais déjà eu ça dans une petite box de chez Tokomani. Mais Cathy, c'est la première fois que je vois dans les box, une glossy box et Bissine. Enfin, Bissine, il n'y avait pas, mais genre dans une box comme ça. Donc, de la marque Cathy, donc c'est un Deluxe Size. Donc, c'est Water Melon. Brunch Lip Oli. Donc, ça vaut. Donc, on a le. On a combien de grammes dedans? On a 5 ml, ça vaut 8,30€ quand même. Pour un 5 ml. Donc, ça, c'est pour les lèvres. C'est un hydratant et apaisant pour les lèvres. Voilà, donc ça c'est pareil, en bout comme ceci, je ne pense pas l'utiliser. Bon, après ce produit-là, je trouve que c'est pas mal dans une box, plutôt sympa. Mais moi, personnellement, je ne vais pas l'utiliser. Après, c'est pas... Je préfère encore avoir ça qu'avoir ça, voilà, personnellement. Mais voilà, non, je sais que je vais pas... Même si c'est un petit format, je sais que je vais pas l'utiliser parce que, regardez, je sais pas où j'ai foutu ça, mais par exemple, ça, c'est une encre à lèvres. Oh là. C'est une encre à lèvres que j'ai dit, ouais, faut que je la teste, faut que j'utilise et tout. Je l'ai utilisé 2-3 fois pour l'instant. C'est pas le truc que j'utilise le plus. En plus, je l'avais mis là pour que le matin je puisse le voir et faire en même temps que je prends mon parfum. Mais non, j'arrive pas à utiliser, donc du coup, je pense que ça, non. Du coup, je vais vous le mettre sur Vinted. Mais ça part d'un bon principe. Donc, c'est au prix de 8,30€. Ensuite, on a ceci. Donc, je vais juste regarder l'embout. Ouais, c'est un embout comme d'hab. Donc, c'est le théorie des volcans. Théorie des volcans. Donc, ça, ce produit-là, je ne connaissais absolument pas la marque. Donc, plutôt bien. Donc, c'était un fluide contour des yeux. Format 10 ml. On a le format 10 ml. Donc, full size. Et ce produit-là vaut quand même 19 euros. Donc, c'est quand même cher. Pour l'instant, pour être honnête avec vous, je suis hyper contente. Attendez, je ramasse avant de rentrer dedans. Je suis hyper contente qu'ils aient mis une crème pour les visages. Et enfin, enfin, punaise, ils ont enfin mis un contour pour les yeux. Voilà, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas de contour pour les yeux. À un moment donné, on en avait plein. On en avait pratiquement chaque mois. Et là, ça fait un moment qu'on n'avait plus de contour pour les yeux. Et des crèmes hydratantes, c'est pareil. Ça fait un moment qu'on en avait plus, surtout les contours pour les yeux. Donc franchement, je suis trop contente d'avoir eu une crème pour le visage et un contour des yeux. Franchement, je suis au top. En plus, ça vaut 19 euros et on a le format full size. Donc moi, ça m'étonnerait que personnellement, je le rachèterais. Et ensuite, on a un produit qui pouvait être sympa. Voilà, qui est plutôt sympa.
Donc c'est ceci, donc de la marque La Splash, donc je connais pas du tout la marque, c'est un format full size, c'est avec 4 pannes à l'intérieur, ça vaut 29,30 €, donc comment vous dire que ça vaut la peau des fesses, ça pareil. Personnellement, le packaging est tout franchement trop beau. Regarde, oui. En plus, c'est dans le thème et tout. Wow. Dans le thème de la box, je trouve. Franchement, c'est plutôt sympa. Donc ça, je pense que c'est ce produit-ci qui était vraiment dans le thème de la box. Voilà. Mais sauf que malheureusement, la palette est franchement belle, hein. Même jusqu'au miroir et tous les détails juste là et tout. Mais Mais la palette est dingue. Mais personnellement, je sais que je ne vais pas utilisé, voilà. l'highlighter a l'air dingue, dinguissime, celui-là. Le bronzer, je sais que je ne vais pas l'utiliser parce que je ne l'utilise jamais. Le blush est un peu trop rouge pour moi. Là, vous voyez un peu rosé, mais il est un peu beaucoup rouge. Et ça, c'est un autre. Donc ça, c'est bronzer. Mine, donc je suppose que ça, c'est fard à joues. Blushing, donc ça, je suppose que c'est blush. Donc ça c'est un blush. Et ça c'est un Highlighter, ça c'est sûr, c'est un highlighter. Mais bon, le bronzer est un peu. Il pourrait m'aller, mais jamais, jamais. Donc, déjà, ce pan-là, c'est sûr que je ne vais pas l'utiliser. Excusez-moi, je suis un peu proche. Le blush. ce blush là, je sais pas si je vais l'utiliser parce qu'il est pas assez rosé. Et le Nint Rose, je suppose que c'est. Je sais pas. Le Nint Rose, soit un fard. Pour les yeux, ou je sais pas. Ou un blush mais très rouge. Et voilà. Donc en gros, si j'utiliserais. Oh non, j'ai mis le doigt dedans. Si j'utiliserais Et ces que le ce serait que l'highlighter donc Franchement, j'ai pas envie. oui, c'est un. C'est quand même une belle pièce, ça fait très longtemps aussi qu'on n'avait pas eu de palette ni rien. C'est quand même pas mal. En plus, les détails du miroir est plutôt sympa. Mais pour moi personnellement, non, ça va, j'ai pas mis le doigt dedans. Pour moi, personnellement, bon, je suis désolée, J'ai j'ai mis un petit doigt dedans, mais j'ai pas fait exprès. prêt. Pour Moi personnellement, elle va aller directement sur Vinted faire une autre heureuse parce que le principe est bien. Je trouve que le principe est plutôt bien, mais d'avoir mis un bronzer, il n'est pas hyper chaud. ça, c'est un blush ou Pour les yeux, voilà. le combo est pas ouf. Donc j'ai déjà d'autres trucs à tester, donc je préfère pas prendre le risque voilà, de la garder. Je préfère carrément vous. L'offrir, enfin pas l'offrir, mais carrément que ça soit utilisé à quelqu'un d'autre parce que franchement, voilà. Mais sinon, pour la box, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Et pour une fois, on a eu deux produits, deux produits oui, beauté, enfin maquillage, je veux dire, et trois produits beauté, donc c'est plutôt sympa. Cinq produits, c'est quand même pas mal dans cette box-là. Alors, du coup, je kiffe la boîte. Ces deux produits-là, c'est sûr, je vais les utiliser. Donc, le contour pour les yeux, la crème, c'est obligé, j'utilise. La petite palette, bah, je vais pas l'utiliser parce que les couleurs ne me. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, mais je sais que je vais pas l'utiliser, donc je préfère faire une autre heureuse. Donc ça va atterrir sur Vinted. Ça se trouve, le jour où je ferai cette vidéo-là, elle sera peut-être plus sur Vinted parce qu'en général, je fais ma vidéo, je la mets directement sur Vinted. Donc peut-être que vous la verrez, peut-être que vous la verrez pas parce que parfois il y a des choses qui s'en vont, qui sont déjà vendues, parfois pas. Donc voilà. Ensuite, le petit produit pour les lèvres comme ça de chez Cartier, pareil, il va aller sur Vinted. Mais ça, c'était quand même ces deux produits-là, je trouve que c'était quand même bien pensé pour mettre dans la box de cet hiver. Ça, je vais mettre sur Vinted, mais C'était plutôt pas mal. Voilà, j'aime plutôt bien. Donc en gros, j'aime bien la box. Il y a juste ça que je n'aime pas du tout. C'est pour les sourcils, là, le truc avec les torts sourcils, là, franchement. je vois pas l'intérêt, donc Voilà, moi personnellement, ce ne sera pas pour moi. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir eu une crème pour le visage et un contour pour les yeux. Donc vous devez le savoir, hein, ça fait au moins 3 fois que je le dis, mais voilà, vaut mieux 3 fois que rien du tout. Donc voilà, donc moi j'espère que la box, Glossy Box, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez eu dans votre box, parce que moi je la trouve plutôt sympa, elle est plutôt cool hein, la box. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de votre box.
Si vous avez eu des boxes différentes que la mienne, parce que bien souvent on n'a pas les mêmes boxes. Excusez-moi, j'ai dû vous faire un bazar. On n'a pas forcément les mêmes boxes, donc ça peut être sympa de savoir qu'est-ce que vous avez eu. Parce que souvent, je regarde les boxes de d'autres youtubeuses, et des fois, on a souvent 2 à 3 produits identiques, mais les deux autres, on les a pas identiques en fait. Donc c'est plutôt sympa de savoir qu'est-ce que vous avez eu, vous, à la place. Je pense que la palette, c'est sûr, on l'a eu tous parce qu'elle est dans le thème. Et peut-être les deux produits, donc la crème hydratante et le contour pour les yeux, je pense qu'on l'a tous eu. Et les deux autres, je pense qu'on les a, tout le monde n'a pas eu la même chose. Donc voilà, à voir. Après, j'ai pas encore regardé parce que moi, je l'ai eu assez tôt, donc du coup, je peux vous la montrer. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si bien évidemment les commentaires fonctionnent, parce qu'une fois sur deux, mes commentaires, comme vous l'avez bien pu le voir, mes commentaires ne fonctionnent pas. Après, moi, je trouve ça pas très grave parce que j'ai pas énormément de commentaires en soi, donc voilà. Après, bien dommage si ça tombe. Si vous voulez mettre un commentaire sur une vidéo où il n'y a pas de pouvoir, pas possibilité de mettre un commentaire, mais voilà. Après, n'hésitez pas à me contacter aussi sur Instagram, donc KemelyTetel6. N'hésitez pas à les regarder. Je mets plein de choses. Voilà. Plein de petites nouveautés. Là, j'ai acheté une petite bougie, je l'ai mise sur Insta. Enfin, voilà. Je mets quelques petits trucs. Je mets beaucoup, beaucoup de produits jolis moi quand j'ai la possibilité de m'en acheter, j'en mets voilà, il y a plein de trucs qui sont sur Insta, je poste pas tout le temps non plus, mais voilà, là par exemple ce mois-ci il y a le calendrier de l'Avent que j'ai acheté, que je vous montre là tous les jours, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à activer la cloche si vous le souhaitez, je mets en général les vidéos tous les 2 à 3 jours et voilà quoi, et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.